Je m'appelle Takjat Marvin, j'ai 13 ans et je vis à Namdrik, un atoll des îles Marshall. J'aime profondément cette terre. Elle protège notre culture et nos croyances. Parfois, je me dis « Waouh, c'est ici même que vivaient mes ancêtres !» Mais chaque année, les vagues grignotent un bout de notre terre et nous laissent de moins en moins d'espace pour vivre. Mon grand-père m'a montré combien de terre a été emportée par la mer et où la montée des eaux a déraciné les arbres. Le changement climatique réchauffe aussi les océans, ce qui détruit notre récif et nuit aux poissons qui y vivent, tout comme les déchets que les gens jettent à la mer. Nos ancêtres buvaient de l'eau de coco et se nourrissaient du fruit de l'arbre à pain et des ressources de la mer. La nature comblait leurs besoins. À Namdrik, nous essayons de préserver nos terres et notre lagune. Nous nous déplaçons en canoë traditionnel et à vélo, donc pas besoin de carburant. Aujourd'hui, nous pratiquons la perliculture pour protéger les huîtres sauvages et nous utilisons la noix de coco pour fabriquer de l'huile et des objets artisanaux que nous vendons, car nous ne pouvons plus vivre des produits de la terre et de la mer. Il est difficile d'imaginer que ce que des gens font loin d'ici peut avoir des conséquences sur notre vie. Mais c'est bien ce qui se passe, et nous devons donc trouver d'autres moyens de subsistance. Je voudrais dire à ceux qui ne voient pas les effets du changement climatique là où ils vivent, ne pensez pas qu'à vous, pensez aussi aux autres. Quand je joue avec mes amis, nous sommes heureux, car ici nous sommes chez nous. C'est pourquoi nous voulons prendre soin de la nature. Nous ferons tout pour que notre île ne soit pas engloutie et que nous n'ayons pas à partir. Je ferai tout ce que je peux pour protéger mon île, mais je sais aussi que je n'y arriverai que si d'autres, ailleurs dans le monde, font ce qu'il faut.